Coucou mes divas, coucou mes amours, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, ça va, ça va, ça va. J'espère que vous allez, vous mes divas, j'espère que vous allez très, très bien. Désolée pour ce silence, désolée pour ce silence, mes divas, désolée pour ce petit silence. La boutique SDC3 est prête. Secret des Divas Cosmétiques 3 est prête. Donc maintenant, c'est ici que je me trouve. J'ai eu à faire une directe pour expliquer déjà ça. Toutes les divas qui sont en Côte d'Ivoire ou qui sont de passage, on a en août, c'est les vacances. En Côte d'Ivoire, Diva Rosie est là. Elle est prête à vous accueillir. Elle est prête à vous recevoir. Je suis prête pour vous. Je suis prête pour vous accueillir. Je suis prête pour vous recevoir. Je suis prête pour qu'on vienne parler de produits, d'un sujet qui nous passionne tous, la peau en fait. La peau, quand on parle de produits cosmétiques, c'est parce qu'on est passionné par le teint, la couleur de la peau que vraiment on parle de ça. Enfin, bref. Aujourd'hui, je viens vers vous pour cette nouvelle vidéo. La vidéo que j'ai décidé de vous faire, c'est une vidéo que je n'ai jamais fait auparavant. C'est une vidéo aujourd'hui pour parler des leçons de visage. Je viens pour vous proposer quelques leçons de visage que vous pourriez utiliser. Aujourd'hui, j'ai sélectionné 5 types de leçons de visage. La leçon de visage des peaux rebelles. Il y a des gens qui ont le visage tenace. C'est-à-dire qu'ils prennent des produits, la peau prend facilement et le visage est tenace. Contrairement à d'autres. En général, la plupart des visages, chacune a, comme j'ai l'habitude de dire, a son type de peau. Et la plupart du temps, le visage est plus sensible que le reste du corps. Le visage, il prend plus facilement normalement que le reste du corps. Mais il y a des personnes qui ont des peaux rebelles. C'est-à-dire que, au lieu que le corps soit rebelle, c'est le visage qui est rebelle en fait. Par contre, il y a d'autres qui ont le visage sensible, il y a d'autres qui ont le visage mixte et il y a d'autres aussi qui ont des visages fragiles, qui rougissent rapidement. Et quand ils utilisent des produits éclaircissants et tout, tout et tout, il y a d'autres par contre qui ont vraiment les visages capricieux. Donc j'ai choisi 5 types de lotions pour vous, mes divas. Des lotions que vous pourrez trouver sur les grandes surfaces, chez les vendeurs de cosmétiques, chez moi bien sûr, chez Diva Rosie bien sûr, et les originaux bien sûr toujours. Diva Rosie, c'est que la qualité, les filles. Donc vous savez, celles qui font les achats avec moi, c'est que la qualité. Au passage, big up à toutes mes divas, merci beaucoup aux divas qui me font confiance, qui continuent toujours de me faire confiance et tout donc c'était une parenthèse, donc sans plus tarder, je vais vous présenter les 5 types de lotions et puis je vais parler brièvement de ces lotions là. On va commencer par une lotion que vraiment tout le monde connaît, la plupart des divas connaissent, en tout cas celles qui aiment la peau, le teint et tout et que beaucoup de youtubeuses aussi en parlent. La première lotion que je pour présenter la Lala lotion. La Lala, faut reconnaître que elle existe en plusieurs couleurs. Il y a le, ça c'est l'orange, il y a le marron, il y a le vert et puis il y a une autre couleur qui est là. Il y a 4 couleurs. La Lala, la lotion existe en 4 couleurs. Et il y a aussi la lotion peau de lune que beaucoup beaucoup connaissent, que je conseille aussi beaucoup, qui est là. La lotion, en fait, j'ai pris cet teint. Quand je vais expliquer, je vais vous dire pour quel type de teint, quelle couleur vous devrez prendre et tout, mais pour le moment, j'ai fait cette sélection parce que je visais un type. Et la plupart des divas qui veulent claircir ou qui sont de peau claire ou métisse ou blanche, celles qui sont la plupart nombreux à regarder nos vidéos, à s'abonner. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de diva teint noir. Il y a des divas teint noir. Big up maman diva tout à l'heure qui vient de commander une gamme teint noir marron. Donc bisous ma chérie. Donc c'est pour toi le bisou. Ça vous dit qu'il y a des divas de teint noir qui veulent juste entretenir les teints et tout. Mais comme vous n'êtes pas nombreux, donc la plupart des produits qu'on sélectionne, c'est pour les teints clairs, les teints métis, celles qui désirent en fait avoir du. Mais quand je vais proposer le produit, je vais proposer aussi pour quelle couleur vous devez prendre si vous avez tel teint et tout. Désolé pour les petits bruits. Hein. Ici, la nouvelle boutique là, on est en dessous d'un immeuble. Je pense qu'il y a des travaux en haut. D'où le petit bruit que vous attendez, mes divas. Ok. Sans plus tarder, on continue la présentation. J'ai parlé tout à l'heure de la première lotion qui était la Lala. Maintenant, je parle de la deuxième lotion qui est la lotion peau de lune. Et la troisième lotion que j'ai, c'est la Belle Mine. Belle Mine, c'est une lotion que j'adore. J'adore Belle Mine. Et la lotion qui me tue le plus, en fait, c'est Selfie 48 heures. La lotion Selfie. En fait, le nom dit tout. On aime prendre les selfies, non? On aime prendre les selfies. On aime prendre les selfies. Donc, ça, c'est Selfie 48 heures. Et puis, il y a Melly White. La dernière leçon, Melly White. Donc, la première, on a la Lala. La deuxième que j'ai présentée, peau de lune. La troisième, Belle Mine. La quatrième, Melly White. Pardon. La quatrième, Selfie 48 heures. Et puis, Melly White. Toutes ces leçons que je vous cite là,
je vais mettre les noms en bas. Après, pour ne pas que vous dites que non, on ne voit pas haut. Tu as dit, on ne voit pas le nom de on ne voit pas bien, on ne voit pas. Si je vous mets les noms, je vais vous expliquer. Des grâces pour celles qui veulent commander. Moi, j'aurai toujours, je mets toujours mon numéro pour les commandes, que ce soit des lotions, des crèmes visées et tout. Il y a toujours mon numéro pour les commandes. Maintenant, pour celles qui veulent plus, prenez les noms. Allez-y chercher ça sur le net. Ce sont des leçons que ce n'est pas moi qui fabrique, ce sont des sociétés. Donc, ils ont forcément les informations, les témoignages, tout et tout sur le net. Donc, évitez de toujours rentrer une bosse pour dire non, tu mets les trucs, on ne voit pas. On veut le nom, on veut le nom. Parce que si je mets maintenant, depuis un certain temps, je mets toujours le nom, les infos sur la barre en fait de description. Donc, n'oubliez pas de dire jeter un coup pour avoir le nom de ces produits-là. Et puis, les explications. En fonction de ça, vous saurez quelle lotion prendre pour vous. Donc, ne venez pas toujours encore poser la question, j'ai tel type de visage, j'ai tel type de peau, qu'est-ce que je dois prendre? Parce qu'en général, j'ai cité, je vais citer brièvement, je vais expliquer brièvement, et puis en regardant, je pense que vous pouvez savoir quel choix il faut faire. C'est la petite parenthèse. Moi, je vais commencer aujourd'hui par une lotion qui me plaît beaucoup, une lotion que j'aime beaucoup, une lotion que je trouve formidable. Je n'ai pas dit que les autres ne sont pas formidables, mais j'ai fait la sélection de 5 lotions que j'aime bien, mais que il y a ma préférence en fait, il y a toujours ça, il y a toujours son bébé. C'est comme parmi les gammes, j'ai toujours, mais j'ai mon bébé qui est là-dedans aussi. Donc, la première, c'est lotion Selvi 48. J'aime cette lotion, pourquoi? Parce qu'elle est la base Kojic et Abutin, et c'est une lotion éclaircissante gommante. Vous voyez bien la lotion, non? Vous voyez très bien. Selvi 48, c'est le nom. Elle est à base de Kojic et d'Alpha Abutin. C'est une lotion éclaircissante gommante. C'est-à-dire, cette lotion-là, tout type de peau peut prendre. Que ce soit une peau capricieuse, que ce soit une peau non capricieuse, que ce soit une peau sèche, que ce soit une peau grasse, que ce soit. Tu sais, c'est une lotion gommante. Elle nettoie le visage. Elle rend le visage vraiment fraîche. Elle rend le visage, pardon, frais. Elle est vraiment. C'est une lotion qui est vraiment top. C'est une lotion vraiment pour celles surtout qui ont les visages sensibles et tout et tout. C'est une lotion qui est difficile en tout cas de créer des problèmes. Vraiment les rougeurs de visage et tout, difficile avec cette lotion d'avoir. Donc c'est une très belle lotion qui sent bon et qui aime, que j'aime la texture parce qu'elle est gluante. Vraiment c'est une lotion qui est vraiment gluante, qui est bon, qui est douce quoi, qui ne brûle pas le visage et tout et tout. Donc j'aime vraiment bien cette lotion. Donc Selvi 48, cette lotion que je commence. Et la deuxième. Donc, je disais, mais Diva, la lotion peau de lune, la deuxième lotion que je vais vous présenter, c'est la lotion peau de lune. La lotion peau de lune existe en plusieurs couleurs, comme je le disais. Il y a, les couleurs diffèrent en fonction du type de peau, en fait. Il y a des peaux rebelles, il y a des peaux noires, il y a des peaux acnéiques, il y a des peaux. En tout cas, c'est que du visage. Quand je parle de peau, c'est pas du visage, bien sûr. Et pour la lotion peau de lune, c'est pour les teints noirs. Donc, si vous avez un teint noir, un teint marron, c'est pas la peine d'utiliser ça parce que ça va vous éclaircir. Et j'ai pris celui-là parce que c'est le plus fort en fait des peaux de lune. Cette lotion-là, c'est pour les peaux rebelles. C'est-à-dire celles qui prennent les produits et puis normalement le visage qui est censé prendre rapidement, le visage il prend pas rapidement. C'est le corps au contraire qui prend rapidement. Il y a des divas qui disent hey, ma diva, ma crème de visage, faut doser haut. Ben moi, mon visage est dur dès quand je prends là, ça prend pas facilement. Nanani, nanana, en fait, ce genre de truc quoi. La lotion peau de lune, une couleur marron, parce qu'il y a la couleur comme ça, orangée. Non, la couleur marron foncé, c'est pour les peaux rebelles. Donc, c'est écrit dessus, même peau rebelle. C'est une lotion qui gomme, qui enlève les impuretés, qui éclaircit la peau. Donc, c'est une bonne lotion. Et comme l'autre, et comme le Selvi, il est beaucoup gluant, donc il n'est pas agressif déjà. Il n'est pas agressif et plus. J'oublie un détail. Quand vous utilisez la lotion, j'avais dit ça une fois pour les crèmes de visage. Vous utilisez la lotion, les crèmes de visage. Veillez à les mettre sur le visage et le cou. C'est-à-dire que vous soulevez, vous faites visage, cou et tout. Parce que une diva, je vous ai dit, si vous coupez le visage, ça risque de faire une différence. La couleur du cou et du visage risque de faire une différence. Donc, quand vous appliquez une crème de visage ou une lotion du visage, hein, mettez toujours. En tout cas, les produits du visage, que ce soit un gommage de visage, un masque de visage, veillez à ce que ça fasse visage et cou. Veillez d'abord à ce que ça fasse visage et cou. Donc ça c'est un secret, ça c'est un truc qu'il faut faire pour que vraiment ça soit harmonieux en fait. Donc c'était la petite parenthèse. Donc peau rebelle, l'autre pour teint marron, teint truc et tout. Donc c'est une très belle lotion. Ça va donner des éclats à votre visage, ça va gommer votre visage aussi, ça va éclaircir le visage. Et puis surtout pour les peaux rebelles, pour vous que vous prenez les produits pour votre visage, pour pas facilement.
prenez ça. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, pour celles qui ont les peaux sensibles, les peaux, tu là, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas votre lotion, ça. Sinon, vous risquez de faire une allergie à ça ou tout et tout. Donc, ce n'est pas la peine de prendre ça. La troisième lotion que je vais prendre, c'est Belle Mine. Belle Mine, c'est une lotion que j'aime. C'est une lotion aussi que j'aime. Que j'aime. C'est une lotion qui est un peu fluide, qui rentre, pénètre facilement. C'est une lotion à base de plantes. Donc, c'est à base de plantes. C'est carrément naturel. Natural. Je dis ça juste pour rire. Natural. Belle mine, la lotion Belle Mine. C'est une lotion. Cette couleur-ci, c'est. Y a, la lotion Belle Mine, elle existe en plusieurs couleurs. Il y a le jaune, il y a le vert, il y a le rouge, et puis il y a le marron. Mais le rouge est le plus top. Le rouge, il est éclaircissant pour celles, pour les divas qui ont le visage sensible. Les divas qui ont le visage qui rougit facilement, les visages qui ont le visage qui. Elles prennent un petit produit, elles ont l'impression que ça les agresse le visage. Prenez la leçon Belle Mine. La leçon Belle Mine n'est pas agressive. Elle est à base de plantes, donc elle est douce et puis elle pénètre facilement. Surtout celles qui ont les divas qui ont les peaux grasses, c'est une leçon qui pénètre facilement parce qu'elle n'est pas gluante, contrairement aux deux autres que je viens de citer tout à l'heure. Elle n'est pas gluante, donc elle pénètre facilement. Elle nettoie et elle dégraisse le visage. Elle est vraiment bonne et puis le visage agressif, elle est éclaircissante. C'est une leçon qui est éclaircissante, les divas. Donc pour celles qui ne veulent pas éclaircir, il y a la couleur verte qui est là, qui n'est pas éclaircissante, et puis il y a la couleur aussi jaune qui est là. Donc maintenant pour celles qui ont les visages à tendance acnéique, c'est une belle leçon. Pareil pour le sel vie 48 heures que j'ai dit, c'est une leçon qui est bon vraiment pour les boutons, les taches de visage. Les taches de visage, vraiment ça nettoie au fur et à mesure votre visage, les taches. Les cicatrices d'acné commencent à disparaître, le visage devient de plus en plus clair, plus propre. Belle Mine, comme le nom l'indique, Belle Mine. Donc, vous aurez Belle Mine au fur et à mesure que vous utilisez. Yes. Donc, ça c'était les détails de la fin de la présentation de Belle Mine. Maintenant, on va passer par Melly White. La leçon Melly White. La leçon Melly White, comme toutes les leçons aussi, existe en plusieurs formats. J'ai pris le marron. J'ai sélectionné les meilleurs pour la Chacho Gang. La Diva Gang. On est tous des divas. Dans la Diva Gang, j'ai choisi les meilleurs pour vous, en fait. Melly White, là, cette couleur-là, c'est pour celles qui veulent ce chat. Ça, c'est une leçon qui est à base d'acide de fruits. Donc, c'est les concentrés d'acide de fruits qu'ils ont pris pour, faire cette leçon-là. Elle purifie. Elle éclaircit, elle est vraiment très bonne. Les divas, vous qui avez le relâchement de la peau, votre peau commence à relâcher. Pareil pour ça aussi, j'avais oublié mon selfie 48 heures. Il est très efficace pour le relâchement de la peau. Et Belle Mine aussi, pareil, surtout. Peau de lune et puis bon, je vais revenir sur la comme je ne suis pas encore arrivée là-bas. Côté relâchement de la peau, ce n'est pas ici efficace. Mais Belle Mine, ça rétend la peau. Mais Diva Mama, la Diva Gang. Vous savez que la Diva Gang, on est nombreux. Il y a les Diva Mama, il y a les Diva, les Baby Diva, et puis les Diva Diva. Donc, vous voyez, non. Donc, quand on fait les présentations de produits, il y a pour tout. Il n'y a pas fait de dire non, on favorise une tranche d'âge et tout. Hein. Non. C'est pour tout le monde. Donc, revenons, mes Diva. À Melly White. Melly White qui est à base d'acide de fruits. Qui purifie la peau, c'est-à-dire qui enlève les imperfections de la peau, qui éclaircit la peau, qui donne l'aspect éclatant, l'aspect waouh, quoi. Vous voyez, non, mes divas, qui donne l'aspect waouh. Ça, c'est Melly White, c'est pour les gens qui ont les peaux vraiment acnéiques, à tendance acnéique aussi. Qui a les points à tendance acné, qui ont les taches d'acné et tout. Donc, pour vous qui avez du mal à faire partie des taches, il y a des leçons quand tu prends, ça éclaircit ton visage, mais les taches, quand, au fur et à mesure que ça éclaircit, ça ne soigne pas les cicatrices d'acné. Donc, au fur et à mesure que le visage devient propre, clair, les cicatrices deviennent de plus en plus visibles. Mais le what est fait pour vous. En appliquant, au fur et à mesure, ça traite. Donc, au fur et à mesure, les cicatrices s'éclaircissent. Au fur et à mesure que tu éclaircis, les cicatrices s'éclaircissent. Ce n'est pas aussi rapide, mais ça va doucement, mais ça fait son effet. Donc, avec Melly White, tu as un effet impeccable, mes divas. Tu as un effet impeccable. Donc, pour finir, on va passer par la la la.
la leçon la la la. La leçon la 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 existe en plusieurs couleurs. Et ça existe dans les mêmes couleurs que pratiquement la leçon peau de lune. Ça existe en orange qui est là, en marron comme peau de lune. Il y a le marron, même couleur que peau de lune. Il y a le vert et puis le truc. Maintenant, le vert, comme je l'ai dit, comme peau de lune, c'est teint noir, teint marron. Pour celles qui ont le teint noir, teint marron, vous pouvez utiliser. Pour celles qui ont des peaux à tendance acnéique, vous pouvez l'utiliser pour finir les taches et les boutons. Mais les taches, ça serait un peu difficile de finir. Les taches pour les teints noirs. Je le disais tantôt dans une dernière vidéo, c'est impossible de faire finir votre tasse et éclaircir votre... Faites passer finir vos tâches sans toutefois un peu éclaircir. Donc, c'est un peu impossible. Donc, pour celles qui vont vouloir éclaircir leurs tâches, faire partie, disparaître leurs tâches, il faut que le visage éclaircisse. Il faut que ça passe éclaircir la tâche pour qu'elle puisse disparaître. Donc, vous allez accepter de légèrement éclaircir avec et peu avant que ça ne parte en fait. Donc, il ne faudrait pas que je sorte trop du contexte. Donc, la lotion, la la la, c'est une lotion à base de vitamine E. C'est une lotion tonique, éclaircissante, purifiante, anti-tache, anti-acné, adoucissante, hydratante. C'est une lotion qui gomme bien. Elle a la même texture que le peau de lune et le sel vive 48 heures. C'est une lotion gluante qui nettoie les taches, qui finit l'acné du visage, qui finit les taches d'acné, qui donne l'éclat au visage, qui nourrit la peau avec la texture gluante qui hydrate et qui contient de la vitamine E. Donc c'est vraiment une très bonne leçon. C'est une très bonne leçon. C'est une leçon qui est un peu connue hein, des divas. C'est une leçon qui a beaucoup connu ça et puis peau de lune. Et il y a beaucoup de mes divas, mais je leur conseille, quand ils m'écrivent une bonne souvent, je leur conseille les peaux de lune et autres. Ce sont des bonnes leçons. Mais celle de 48 heures, c'est ma préférée, baby. Donc, donc c'était ça, mes divas. Donc, ainsi prend cette vidéo. Merci aux divas qui me suivent. J'aimerais dire déjà merci à mes divas qui me suivent de partout dans le monde, qui m'envoient les messages d'encouragement, qui m'envoient les messages de félicitations, qui m'envoient les messages de félicitations lors de l'ouverture de la nouvelle boutique. Je vous dis merci beaucoup. Sans vous, mes divas, je n'allais pas arriver à là. Sans vous, je ne pourrais pas continuer à faire des vidéos. Même il y a des moments où je disais, je suis épuisée, je suis prise. Et quand je reçois des messages, je me dis non, tu vas refuser. Tu dois t'élever et tu dois faire une vidéo. Tu dois continuer ce que tu aimes. Ce que tu aimes, c'est le cosmétique. Ce que tu aimes, c'est la peau. Ce que tu aimes, c'est faire plaisir aussi. Donc, tu vas continuer. Donc, en parlant de ça, j'aimerais aussi vous annoncer que à partir de la semaine prochaine, je voyage. Je vais en vacances au Maroc. Donc, je ne serai pas disponible. Mais vous pouvez toujours continuer de passer les commandes. Vous pouvez toujours continuer de passer les commandes. Et les produits seront toujours acheminés. Il y a des gens, des gars d'Iva Rosy, il y a eu toute une équipe. Il y a des gens qui travaillent pour moi et tout et tout. Donc, vos produits vont arriver à temps et tout et tout. Les commandes seront bien prises et vont arriver à temps. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est juste vous dire que je ne suis pas là et tout et tout. Les vidéos, on va continuer de les faire. Aujourd'hui, c'est la vidéo sur les lotions. J'ai de nouveau concentré tchatcholisant. Que demain je dois faire une vidéo dessus parce qu'aujourd'hui je ne pouvais pas faire tout ça, sinon ça allait être trop, la vidéo elle est trop longue. Mais demain on va parler de ces deux blanchisseurs avec une huile et un lait qu'il faut mélanger pour un teint métis à la Black China. Vous voyez non, le teint du Black China. Donc, il va falloir ça. Donc merci mes doudous, mes chéris, mes amours. Merci aux abonnés de la chaîne Diva Rosy. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, vous abonner à ma page, activer la cloche des notifications et partager au maximum. Partagez mes divas, partagez les vidéos. Je vous ai dit, d'ici la fin de cette année, il faut qu'on ait 10 000 abonnés. Et là, on est pratiquement dans les 6 000. C'est peu. En tant que fin de l'année, c'est dans 5 mois, je pense. Oui, on en a non. Donc, dans 4 mois, mes chéris. Donc, 4 mois, tout est possible. Donc, partagez. Bisous, mes divas. C'était Diva Rosy. À bientôt.